I hope you all know this. La fille a fini de prendre son bain et donc là, on lui donne même un sous-vêtement. Donc le pasteur gère même les sous-vêtements de ses fidèles. Vous allez remarquer que la plupart des pasteurs demandent toujours validation par les fidèles de ce qu'ils font pour savoir si le message est accepté ou pas du tout. Est-ce que la pilule passe ou elle passe pas? Avec le fameux Amen, ça veut dire que ok, continue, c'est bon. Ça nous choque pas ce que tu fais. Pour l'instant, c'est normal, on est d'accord. Si vous regardez bien, si vous regardez attentivement, vous allez voir que juste là, il y a un petit truc assez bizarre. Vous voyez ce petit truc là? Elle est déshabillée, mais il y a un truc assez bizarre. On va en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Je vais revenir sur ce détail. Il est très 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 important. Regardez la tête. La tête de son assistant, il est vraiment concentré sur la poitrine de la fille. Bon après, on va pas se mentir, la fille, elle est terrible. Non mais, c'est incroyable, hein. Il fait vraiment, il est à fond dans son truc. Il lave les cheveux de la fille, il lave le corps de la fille avec des herbes. Et puis on voit une huile là, c'est censé être peut-être une huile d'onction. On sait pas exactement. Mais déjà à partir de là, il faut savoir un truc, c'est que le pasteur s'appelle, bon j'ai oublié son vrai nom parce qu'il a un nom assez long. Il se fait appeler Pasteur Blank. Ce qui se passe avec cette vidéo, c'est qu'elle se passe le 31 décembre, le jour du nouvel an. Le pasteur a eu une révélation, d'après ses dires, il a eu une révélation du Saint-Esprit, comme quoi il devait purifier ses fidèles. Et donc, la révélation lui montrait comment il allait purifier ses fidèles. La recette lui a été donnée par le Saint-Esprit. Donc là, il est en train de la oindre. Pour l'instant, tout ce qu'on voit dans cette vidéo-là, ce sont des femmes. Les fidèles, ce sont des femmes. Et au bled, les femmes sont... Bon, je ne sais pas si en général c'est comme ça, mais en tout cas, les femmes sont très, très réceptives pour ce genre de... Comment on va dire ça? Ce genre de choses. C'est pas péjoratif, hein. C'est juste un constat que je fais. La plupart du temps dans les églises, les femmes sont beaucoup plus réceptives. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Désolé, je peux pas vous traduire, je comprends pas la langue. C'est l'anglais, mais vu qu'il est ghanéen, c'est un anglais avec des termes à eux. Le problème avec les pasteurs d'aujourd'hui, c'est que voilà, c'est toujours au nom de Jésus. Tout ce qu'ils font est au nom de Jésus. Donc, à partir de là, est-ce qu'il faut... je sais même pas ce qu'il faut dire exactement, parce que lui, il dit que c'est Jésus qui l'a demandé de faire ça. Donc, voilà, il fait ce que Dieu l'a demandé. À votre place, si vous êtes pasteur et que Dieu vous demandait de faire un truc, que feriez-vous? Vous allez le faire ou vous n'allez pas le faire? Vous allez désobéir à Dieu ou pas du tout? Telle est la question. Oui, oui, on me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment qui sont pas abonnés et qui n'ont même pas liké. Les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Likez, wesh. Likez. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Si c'est Jésus qui a dit de faire, bah il faut faire. Hein. On te donne nos femmes, on te donne nos enfants, fais ce que tu vas faire. Dès lors que tu vas les rendre purs. C'est incroyable. Il a même son... Comment on appelle ça? Sa pancarte publicitaire. Waouh. Pasteur Blanks. Et
Je vais faire un peu passer parce que là, il n'y a rien qui se passe. Attends, il est en train de laver ses cuisses ou c'est comment? Regardez le mec à côté. Il est vraiment concentré sur ce qu'il est en train de voir. Je pense qu'il aime bien ce qu'il est en train de voir. Hein. Mais aussi, si vous remarquez bien, vous allez voir que les fidèles sont... Ils ont tous le sourire sur la bouche. Toujours le petit Alléluia, Amen, bien sûr. Est-ce que vous validez ce que je suis en train de faire? Oui, on valide. En tout cas, pour l'instant, une chose est sûre, il n'y a rien de sexuel. Je vois pas des actes déplacés, il n'y a rien de sexuel dans ça. Il est vraiment concentré dans ce qu'il est en train de faire. Mais toujours est-il que je ne valide pas ce genre de pratique. Si le pasteur est capable de demander à ses fidèles de se déshabiller devant toute l'audience comme ça, eh ben imaginez ce qu'il est capable de faire quand ils sont deux à deux. Mais c'est incroyable. Il est en train de lui passer de l'huile, mais c'est incroyable. La Bible de nos jours, ou bien le Jésus de maintenant, là, il demande des dingueries à ses fidèles. Mais c'est terrible. Il lui donne même un nouveau sous-vêtement. Ah bah oui, Amen. Ah. Et ça, c'est une daronne. Bon, attendez, je vais faire passer encore. Ce que je retiens dans cette histoire, c'est que les chrétiens aujourd'hui sont complètement déconnectés, ou du moins embrouillés, si je peux dire ça comme ça. Partons d'un fait complètement simple. Si aujourd'hui tu es sur Terre, ça veut dire que tu as un père et une mère. Donc en toi, il y a l'ADN de ton père et de ta mère. Si c'est Dieu qui nous a créés, ça veut dire qu'on a une partie de Dieu en nous. Donc, si vous voulez vraiment parler à Dieu, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des églises. Sauf que le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que Dieu est seulement chez le pasteur. Si bien que, vu que Dieu est dans le pasteur, il faut chaque fois aller à l'église. Du coup, ils vont à l'église non pas pour prier, mais ils vont là-bas pour être en communion avec le pasteur parce que c'est le pasteur qui, lui, a Dieu. Ça veut dire que Dieu parle au pasteur et pas à eux. Donc eux, s'ils veulent parler à Dieu, il faut qu'ils passent par le pasteur. Donc le pasteur joue le rôle de l'intermédiaire. Et ça, c'est triste parce que si on donne déjà au pasteur cette aura, si on voit déjà le pasteur sous cette forme-là, c'est grave parce que qu'est-ce qui nous prouve que ce pasteur-là est vraiment en communion avec Dieu? Qu'est-ce qui nous prouve que ce que nous dit le pasteur vient de Dieu? Et la perversion arrive au moment où les pasteurs s'amusent à dire « Dieu m'a dit ». Tout ce que le pasteur dit, eux, ils avalent parce que ça vient de Dieu. Et ça, c'est terrible. Si vous regardez bien ce qui se passe avec les pasteurs de maintenant, vous allez voir que c'est à peu près le même modèle que ce qui se passe au state avec les stars. Au state, les choses sont faites de telle sorte que l'homme est mis au même pied d'égalité qu'un dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'on peut, on va facilement appeler une personne comme Beyoncé, queen, déesse. On va facilement faire des religions autour d'elle. C'est pas pour rien qu'ils appellent leur célébrité des stars. En fait, tout est fait de sorte à ce qu'ils soient glorifiés. La gloire revient à des hommes. Et ce même modèle-là s'applique aujourd'hui avec les pasteurs. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils parlent plus au nom de Dieu, mais plutôt en leur nom. Ah ouais, rien que ça. Il y a carrément une personne qui va lui ouvrir la portière. Abusé. C'est juste abusé. C'est quasiment tout un quartier qui lui rend gloire en fait. Si vous tombez sur un pasteur malade mental, eh ben il va vous faire tout et n'importe quoi. Et les gens vont croire que c'est au nom de Dieu qu'il fait ça. Alors que pas du tout. Donc si déjà un pasteur croit dans son intimité que tout ce qui lui passe par la tête vient de Dieu, alors que pas du tout, ce sont juste ses pensées à lui. S'il les interprète comme étant des signes venant de Dieu, et ben voilà, on aura des dérives comme ça. Parce que je vois pas quel intérêt de faire ce qu'il est en train de faire là. Si tu as envie
de passer un message qui t'est venu de Dieu. C'est simple, dis à tes fidèles par exemple, bon ben, Dieu m'a montré qu'il fallait que vous vous laviez avec telle huile ou tel truc, ça allait vous purifier. Mais pourquoi toi-même tu es obligé de faire ça? Et le problème avec ces pasteurs-là et leur phrase, Dieu m'a dit, c'est quand même incroyable. Là on est dans la période du Covid, mais pourquoi Dieu les prévient jamais quand il y a des trucs graves? Pourquoi Dieu les parle juste pour des conneries comme ça là? Alors que ce même Dieu sait très bien qu'en faisant ça, et eh bien ça va mal se passer pour lui, il y aura des réactions négatives. Pourquoi ce même Dieu les envoie faire ce genre de dinguerie? C'est jamais pour des trucs très importants, c'est toujours pour des futilités. Donc ces gens-là, j'ai un gros doute sur leur fameux Dieu m'a dit. Ça, c'est ce que moi, je vois en regardant ces images-là. Cette vidéo a été publiée sur les réseaux, beaucoup en ont parlé de façon très négative et la tension montait tellement que le pasteur que vous voyez là a dû prendre la parole. Et il a parlé, il a dit qu'en réalité, c'est un acteur et tout ça, c'est seulement une mise en scène. À partir de là, vous allez peut-être vous dire, mais non, c'est n'importe quoi, il essaie juste d'éviter les problèmes. Je vous ai dit au tout début, si vous regardez bien, vous allez voir que on voyait un bout de scotch sur le sein de la fille. Effectivement, tout ça est une pure mise en scène. Si vous regardez bien, elle a du scotch là, et bien c'est parce que ses seins ont été scotchés. Donc quand elle arrive devant le pasteur ne voit pas ses seins. C'est caché. C'est un acteur et son délire à lui, c'est de jouer le rôle d'un pasteur et de faire vraiment des dingueries. Bon, je sais pas si c'est ça, mais le message derrière, c'est peut-être de nous montrer à quel point il faut qu'on fasse attention à certains hommes de Dieu. Sauf que ce mec est...